viens t'aider. Si on fait un petit mètre, ouais. Après je voudrais prendre la direction. Parce que j'ai moins de force, je pense. Ah ouais, c'est sûr. 1, 2, 3. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Voilà, pas mal. Ça vient. Doudou, il faut pas qu'on aille dans la maison en face, quoi. Ouais. Tu veux pas venir avec moi, Motir, au cas où? Si. Est-ce que plus on se met court, plus il y a des chances pour que... Ah, ça bouge. Quoi? Ça bouge. Une fois le bateau sanglé sur sa remorque avec sa copine la deux chevaux, une bonne nuit de sommeil et un petit footing, la première étape de notre périple nous menait à Bordeaux chez notre copain Mathieu que vous avez déjà vu dans les épisodes précédents. Attends, je fais des plans stylés, merci. Les trois gaillards que vous voyez là, Camille, Mathieu, Bruno, c'est un peu ma garde rapprochée. J'ai pas de mots pour décrire toute la reconnaissance et l'amour que j'ai pour eux. Ils m'ont tellement apporté, chacun à leur manière, quand j'étais adolescent, puis jeune adulte, et encore maintenant, adulte vieillissant. Merci les gars. Le lendemain, départ aux aurores pour une longue et lente route vers l'étang de Thau, où nous avions prévu de remettre Vendémiaire à l'eau. Non mais après, être en... Tu dors sur le dos, la tête en arrière. Ah ben il est là le cadavre, je le vois. Allez, go, c'est parti. Non, bah non, si on a deux égérités en garde. Il en a une, Arnaud, et moi j'ai l'autre. C'est bon, les mecs. Nickel. Au pire, si on se fait emporter, on tient, mais on joue les droites. Hein. Bon, on arrive. Bon, je suis d'accord. Voilà ce qu'on appelle une manœuvre tout en maîtrise. Une fois le bateau mis à l'ancre, nous pouvions reprendre notre route car il fallait désormais s'occuper de la livraison de cette mystérieuse deux chevaux